Bonjour, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux. Ici, en cette première journée de cette 7e édition de l'Open World Forum, organisée par Systematic. Avant de commencer cette journée et de laisser son président vous introduire justement ces 2 jours, je voudrais juste vous rappeler quelques petits détails. Le premier, n'hésitez pas à tweeter tout au long de la journée et demain avec le hashtag OWF14. Pour rendre le plus viral possible ces 2 journées. Je vous rappelle aussi de mettre vos portables sur silencieux ou vibreur pour ne pas déranger et nos intervenants et vos voisins. Et enfin, dernier point, je vous rappelle également que l'intégralité de cette journée est diffusée et captée et diffusée en live, en streaming. Voilà, donc n'hésitez pas à souriez, vous êtes filmé, comme disait la formule. Et pour débuter cette journée, j'invite donc le président de cet Open World Forum édition 2014 à venir me rejoindre sur scène, monsieur Florent Zarra. Ladies and gentlemen, a few more words for the English-speaking people among you today. There is a live translation available from French to English. You may take earphones at the entrance of the auditorium. Thank you for coming to the 7th edition of the Open World Forum. It's been quite a challenge this year, but building a program for the Open World Forum is a challenge. You have to bring together a lot of people from various backgrounds with sometimes opposite interests. Many found their way in the baseline this year, take back control. Indeed, this year was about to show that free software, libre software, is all about innovation and help you taking back control of your professional and personal life. FLOSS is no more relegated to infrastructure nor niche market. It's in your pocket, your TV, your box, your watch, and so on. Whether it is open data, big data, DevOps, cloud, Internet of Things, embedded, open hardware, the line between all these domains is often very, very, very thin. And FLOSS is the link between all of them. Security and privacy are also a fast and growing trend you cannot miss. How to live in a post-Snowden world where everyone wants to know everything about you. I pity the fool who do not care about security and privacy. As always, we also brought to us many events inside the Open World Forum this year. We welcome the very first Open Law event in France, starting today at the Open World Forum. There will be 3 dedicated rooms, and tomorrow at NUMA. The Student Demo Cup will take place here at 15 to 7 today. Be sure to encourage and support students that embrace and support our sector. This is a strong motivation for them. There is also the Functional Programmer Meetup in the evening, also today. And yesterday, there was the Open CAO Summit. Hubert, later on, will debrief you tomorrow during the last panel in this room also tomorrow. We will also have a closing keynote from Tariq Krim. You may remember him. He did his nice report about talented French developers. For those who like figures, the Open World Forum this year, this is more than 186 speakers, including 12% of women, more than 150 conferences, keynote, panel, workshop, distributed into 40 tracks. A big thank you to our generous partners this year. We are here today thanks to them. So a big thank you to the French state, the Île-de-France region, the city of Paris, l'INRIA, which is our biggest sponsor twice in a row, Alterway, IBM, Smile, Enix, Microsoft, Savoir Faire Linux from Quebec, Abilion, Eclipse, Adobe, HP, Mozilla, Nuxeo, the Afful Village, the OW2 Village, and the Village of Southwest showing innovative solutions. Don't forget to pay them a visit and while you network in the exhibition hall. Again, our motto this year is take back control. And every vice president in my team will be pleased to give you some insight of the program right now.
let me introduce you to the dream team that built up the program this year. So there is Benjamin, for the decision makers among you. Nicolas, for the geeks, the tech and the dev that are here today, I'm sure. Mark, he's taking care of the citizen in every one of you today. There is Hubert, the CIO of Les Mousquetaires, a retail store, illustrates perfectly that you can build a strong and large business using Floss. There is also Gaël Blondel from the Eclipse Foundation, representing the communities. He will join us in a few hours. He is currently traveling from Berlin. So thank you now, Benjamin. I will give you the to speak a little bit about the Sync part of the program. Thank you, Pro. Hi, everybody. I'm very glad to be there today to speak about my topic, Sync. I have just 1 or 2 minutes talk, so I'm going to switch in French to be as efficient as possible. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter le travail de ces derniers mois réalisé avec toute une équipe de track leaders qui m'a accompagné et qui a permis d'avoir vraiment un contenu, une substance sur ce thème Sync qui couvre tous les aspects sociétaux liés au logiciel libre, mais aussi bien plus. Alors, vous le savez tous, on parle du logiciel libre depuis les années 80-90 et peut-être plus communément depuis les années 2000. On parle de plus en plus d'autres types de créations collaboratives comme l'open data, comme l'open hardware, l'open design et encore énormément d'autres. C'est bien sûr des sujets que nous allons traiter lors de ces deux jours. On va aussi essayer d'appréhender des modèles que sont l'open access, l'open knowledge, l'open innovation, l'open cloud. Il y a un certain nombre d'autres modèles qui cumulent à la fois des types de création et des modèles économiques, par exemple. Tout ça va être évoqué. La particularité peut-être de cette année, c'est qu'on a affaire, on va avoir un certain nombre d'intervenants qui sont des natifs de l'open data, des natifs de l'open hardware, qui finalement on crée un nouveau monde sans savoir réellement ce qui était fait dans le domaine du logiciel. Alors, finalement, c'est très enrichissant parce qu'ils arrivent avec des yeux neufs sur des sujets qui sont pas tout à fait les mêmes. Et le but de ces deux jours, ça va être aussi de croiser un peu les regards. Alors, ces différents thèmes vont être, je dirais, combinés. On a mis en place dans nos différents, dans les multiples tracks, on a mis en place des ponts, des passerelles qui permettent de définir quelques thématiques communes. Alors les thématiques communes, c'est par exemple les aspects juridiques, les aspects gestion, les aspects de modèle économique qu'on peut retrouver dans ces domaines, mais aussi des liens qui sont là plus logiques. Par exemple, comment l'open data a pu amener à l'open gouv, comment l'open data peut aller jusqu'à l'open hardware, comment l'open source s'inscrit très facilement dans l'open hardware et dans l'embarqué. Ça fait partie aussi des tracks qui sont évoqués dans le cadre de ce thème Sync. Que dire de plus? Bon, après, sur le fond, peut-être, cette première journée qui est sous forme de plénière, alors ça va être très dense pour les gens qui sont ici. Le but, c'est de vous donner un maximum de contenu en très peu de temps. Donc, on va avoir des talks qui sont généralement de 15 minutes. C'est très dense, et merci aux intervenants qui se sont pliés à cette demande. Le but, c'est que les gens qui ont des affinités peut-être avec ces sujets-là puissent avoir un éclairage et éventuellement approfondir ensuite les sujets le lendemain lors de tracks qui seront de 2 heures par exemple, et donc bien plus fouillés sur ces aspects-là. Le lendemain, donc, il y a une quinzaine de tracks en parallèle pour ce qui concerne le thème Sync. Je vous invite à regarder le programme et à piocher dans chacun d'entre eux ce qui vous intéresse tout particulièrement. Florent a parlé aussi de Open Law, donc c'est un atelier qui a lieu aujourd'hui qui concerne plus l'ouverture des données juridiques. Alors c'est un très bon exemple parce qu'on est dans l'open source et le développement de logiciels, l'open data parce que c'est une ouverture des bases de données juridiques sous licence ouverte, l'open gouv parce que c'est aussi un modèle de gouvernance ouvert, et tout ça est combiné dans un atelier qui commence dans 6 minutes mais qui va ensuite se dérouler sur 6 mois. Donc encore une fois, c'est un lancement, mais le mouvement est bien plus large. Et la Student Demo Cup a aussi été évoquée. Pareil, je vous invite à être présent et à soutenir ces étudiants qui font la promotion du libre et de l'open source, de l'open data, de tous ces sujets, qui étudient, qui font des recherches et qui généralement finalement n'exploitent pas toutes ces richesses
personne ne les exploite. Le but de la Student Demo Cup, c'est de leur donner une tribune et de permettre à ces étudiants d'avoir une vraie visibilité, de poursuivre les travaux et aux gens d'utiliser ce qui était fait. Merci. Okay, so good morning everyone. I will make it in English. I'm Nicolas Vérité, vice president for the code part. I'm CEO and founder of NIGO and president at linuxfr.org. So the theme to this year is take back control. On the code part, we will decline that in talks, and you will see on the program. So I'm very happy to decline that theme today. I'm very happy to be here, and I'm a bit stunned by the news. Maybe you've seen it maybe last week or the week before. You remember Microsoft loves Linux. Microsoft heart Linux. It's not even a black heart. It's not even a white heart. It's a pink heart, whatever it means. So I'm stunned. I'm a bit surprised, but happy. So in the past, remember, Steve Ballmer said Linux and open source software is a cancer. It's a threat. We have to kill it. And if we go back in time a bit more, there was this movie, The Matrix, where Bill Gates, and Steve Ballmer were mocking free software by telling, well, you have to recompile a kernel. And when you go back again in history, maybe you've heard about the Halloween documents. These were a set of documents that were basically saying that at that time, the open source software was a threat. But they did nothing about it. It was just an analysis. So I'm stunned and happy that Microsoft finally loves Linux. But that makes me think of a quote, famous quote by Mahatma Gandhi, who said, first they ignore you, then they laugh at you, and then they fight you, and then you win. We are there. We have won. And so the theme today is take back control. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque Florent et Elisabeth m'ont proposé la vice-présidence de Experiment, j'ai dit waouh, il va falloir reprendre le travail des initiateurs, des créateurs de cette journée dédiée à l'open hardware, à l'IoT, aux associations de l'open data. Et lourde tâche. Ensuite, ils m'ont donné le motto de cette année. Donc, j'ai appris un mot, le motto, la devise, qui était « Take back the control » ou « Take back control ». Et « Take back control », pour moi, pour le citoyen, pour le grand public, ben, c'est « Take back control » de son identité numérique. Donc, on a orienté ça autour de ça. Bon, initialement, c'était prévu d'être tranquille le samedi pour la partie « Experiment ». Un 1er novembre, c'est pour ça qu'on avait initié une table ronde sur le droit à l'oubli pour cette journée de dessin. On s'est adapté, on s'est arrangé, on a contraint un petit peu la journée sur ces deux jours avec un mot d'ordre, c'est bien de reprendre la main sur son identité numérique. Et ça passe par plusieurs phases, ça passe par la compréhension. Ça passe par l'apprentissage, la compréhension des risques et des enjeux qu'on a à ne pas maîtriser son identité. Ça passe par l'apprentissage, la formation, l'information auprès de tous, des jeunes et des moins jeunes. Donc on verra ça avec certains demain dans la table ronde. Et puis ensuite, c'est de commencer à maîtriser, à s'approprier son identité numérique. Et là, ça va passer par des workshops qu'on a prévus sur ces deux jours. Pour alimenter tout ça, on a fait donc deux jours. Une journée où on a un peu le festival des associations de l'open data, le festival des associations citoyennes de l'open data, avec OKFN qui va nous faire deux workshops sur l'école des données. On a Open Food Fact qui va nous présenter son nouveau projet. Ça marche ? Moyennement, ouais. Qui va nous présenter son nouveau projet Open Beauty Fact pour rendre open et ouvert les données sur nos produits de beauté. Donc c'est un beau projet. J'oublie la paillasse qui va nous montrer l'open data science et qui nous feront peut-être en fin de journée des expériences pour créer de l'encre à partir de déchets.
Et puis, je pense que j'en oublie. Demain sera plutôt réservé au thème principal d'Experiment, entre autres, c'est-à-dire l'IoT, avec une grosse table ronde animée par les deux Gaël, Gaël Musquet et Gaël Blondel, soutenue par des acteurs importants de ce monde-là. L'Open Hardware sera bien sûr représenté. Et on a une salle qui est dédiée, qui est la Room Paris, qui sera là pour les enfants, parce qu'on a Silicon Banlieue qui vient cet après-midi avec des jeunes enfants qui sont en vacances, puisqu'on est en période scolaire, de vacances scolaires. Et il y aura aussi un atelier sur l'école des données en fin d'après-midi, donc pour les adultes, pour ceux qui veulent reprendre la main là-dessus. Voilà, en espérant que ce soit deux belles journées bien denses et intéressantes pour reprendre la main sur son identité numérique. Merci. Bonjour à toutes et tous. Hello Open World, si vous me pardonnez cette petite geekerie. Donc moi aussi, je suis très content d'être ici parce que ce thème de reprendre le contrôle nous inspire beaucoup dans le monde des entreprises. Et le message que je veux passer, c'est justement celui-là. On a vraiment besoin de reprendre le contrôle parce qu'on l'a perdu ou on est en train de le perdre parfois. Alors, reprendre le contrôle sur nos dépenses IT, c'est peut-être la première chose qui viendra à l'esprit. Oui, effectivement, ça nous intéresse, on ne va pas se voiler la face, parce que les solutions issues du monde open source sont généralement moins chères. Donc ça c'est intéressant, mais ce n'est pas la raison principale. Et ce qui va peut-être vous surprendre, c'est que les éléments qui nous motivent le plus, c'est justement la liberté, d'une part, et puis les gens qui sont autour de l'écosystème open source. Alors pourquoi tout ça? Parce que finalement, si je prends le thème de la liberté, on a aujourd'hui une relation avec nos grands fournisseurs de systèmes d'information, d'éléments de systèmes d'information, qui s'est tendue avec le contexte économique, qui est devenue problématique. Cette relation, elle est en train de virer une relation de dépendance. Et c'est pas du tout sain, parce que quelque part, certains de nos fournisseurs préférés, nos grands éditeurs, pratiquent une politique commerciale qui ressemble plutôt à une politique de la terre brûlée qu'à autre chose. Donc ils sont dans des logiques qui sont des logiques court-termiste et qui engage très très mal la relation qu'on va avoir sur l'avenir. Ça, c'est un premier point. Deuxième élément, dans cette relation avec nos grands fournisseurs IT, il y a un élément capital, c'est le contrôle des données. Même si on a parfois la volonté d'ouvrir ces données, ou du moins de partager plus équitablement la valeur qu'on peut tirer de ces données, notamment avec les gens qui en sont l'objet, le consommateur dans mon cas de figure, puisque je travaille dans la grande distribution, on veut partager de manière équitable avec lui la valeur qu'on peut tirer de ces données. Par rapport à nos grands fournisseurs, l'enjeu autour de la donnée, c'est un enjeu de souveraineté pour l'entreprise, un enjeu potentiellement de désintermédiation d'entreprise et finalement peut-être de disparition ou de relégation de l'entreprise. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fondamental et de très important. Sur la partie personne, people, l'enjeu là est que on est dans un monde où en pleine accélération de l'évolution technologique. Dans ce monde-là, quel type de personnel vous avez besoin d'avoir dans vos entreprises pour faire face à ce rythme complètement effréné de la technologie? Des gens plus agiles, des gens plus polyvalents. Où est-ce qu'on peut les trouver? On peut le trouver dans le monde open source. Donc c'est aussi un des messages que je veux passer. On n'est pas intéressé que par les logiciels. Les gens nous intéressent beaucoup aussi. Donc c'est pas encore en train de... On n'est pas encore en train de transformer l'Open World Forum en un salon de recrutement, mais on y pense sérieusement. Je pense que c'est plutôt les DRH que je dois envoyer ici plutôt que mes opérationnels, enfin pas seulement. Mais voilà, donc vous voyez, on a plusieurs thèmes de reprise de contrôle et je pense qu'on en a vraiment tous besoin. Voilà, merci à tous. Je serai disponible pour discussion dans les couloirs. I will be available for discussion in English too. Thank you. Merci à tous. Alors, nous est parvenu un message d'Axel Lemaire, secrétaire d'État au numérique. Je vais me permettre donc de vous lire tout de suite, avant de donner la parole au prochain speaker. Chers amis, je regrette de ne pas être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture de cette édition 2014 de l'Open World Forum. Je suis actuellement en réunion à l'Élysée avec le président de la République pour aborder les questions de numérique pour l'éducation des enfants, et je devrais ensuite me rendre à l'Assemblée nationale pour expliquer le budget de mon ministère. Depuis 2008, l'Open World Forum s'est imposé comme un événement incontournable de la scène technologique. Le programme cette année en atteste une nouvelle fois, puisqu'il réunit un panel d'intervenants de très grande qualité et porte des sujets toujours en avance d'un temps sur la prise de conscience plus large des enjeux liés au modèle d'ouverture. L'esprit qui anime la rencontre consiste toujours à allier le partage à la recherche de l'efficacité technique et économique. À ce grand rendez-vous annuel, se pressent tout à la fois des passionnés,
des militants de différentes communautés engagées, des start-up, grands groupes, universitaires, chercheurs et acteurs publics. Cette diversité des publics témoigne de la capacité des modèles d'ouverture à irriguer l'ensemble de la société. Elle témoigne aussi de la diversité même de ces modèles. Open source, logiciel libre, open content, open hardware, open data, open innovation. Je vois cette diversité comme une chance. Nous devons, vous devez, la préserver et la renforcer, car elle est un moteur des innovations de demain. Vous savez que vous pouvez compter sur moi pour avancer aux côtés de tous les innovateurs ouvreurs. Les collectivités territoriales qui s'engagent avec détermination dans les données ouvertes, les acteurs de l'économie collaborative qui s'appuient sur les fondamentaux de l'ouverture et du partage pour inventer de nouveaux modèles de création de richesses, les makers pour qui l'ouverture est partie intégrante de leur démarche de création, les chercheurs qui souhaitent faire vivre une science ouverte et collaborative, les entreprises pour qui la valeur n'est pas qu'affaire de profit mais aussi d'innovation partagée, les médiateurs qui ont recours au numérique comme outil d'inclusion et d'échange. Toutes celles et tous ceux pour qui, en résumé, le faire ne peut être que collectif, le « do, make and decide » doivent être conjugués avec « contribute, open and share ». C'est une démarche que j'aimerais voir plus présente dans tous les canaux de la société, y compris dans le monde politique et ses méthodes décisionnelles. L'interaction, l'échange, la transparence sont des valeurs que l'on retrouve dans les modèles qui vous inspirent et qui doivent aussi irriguer mon champ d'action. Qui sait ? Peut-être parviendrai-je à organiser une « make a fair » dans le palais même qui m'accueille en réunion en ce moment. Je m'intéresse d'ailleurs de plus en plus à la notion de commun qui se rapproche de celle des biens publics universels que j'avais jadis découverts en droit international. L'avènement de l'ère numérique nous oblige à repenser les modèles théoriques qui ont construit notre droit et j'essaye de m'y employer. Nous pourrions développer par exemple cette notion de bien commun des innovations technologiques en développant de nouvelles formes de licences de type peer production et reciprocity, usage libre et non commercial. Vous êtes guidé par des aspirations supérieures. S'il vous plaît, restez inspiré et disruptif. Vous savez que le numérique n'est pas statique, que l'innovation n'est jamais achevée. Alors expérimentez, explorez, collaborez, partagez vos briques et mélangez-les, additionnez-les pour créer de nouvelles innovations diffusables, réutilisables, augmentables. Votre devise défie la rationalité mathématique et pourtant s'impose à la réalité humaine et technologique. 1 plus 1 font 3. La France a la chance de disposer d'un tissu de start-up et de PME innovantes et créatrices d'emplois qui maîtrisent les technologies du libre sous toutes ses formes. Nous aurions tort de nous priver de ces ressources, notamment pour avancer sur la route de notre indépendance technologique en matière numérique. Vous êtes les piliers de la République numérique que j'appelle de mes voeux. Une République numérique qui saurait rassembler et rassurer, qui dépasserait les frontières en fixant les nouveaux horizons. Horizons partagés, qui ferait œuvrer main dans la main l'économie d'aujourd'hui et celle de demain. Les grands et les petits, les individus et les collectifs. Alors, aidez-moi à construire ce pays-là. Merci de votre engagement, je vous souhaite une bonne conférence et je vous dis à bientôt. Signé Axel Lemaire.